Bonjour, bonsoir tout le monde. Son plaisir pour nous rentrer la caillou pour nous capable porter baou une nouvelle émission sous Chanel Paula. Pasteur Jean Stevenson Condé tourné à une nouvelle émission sous Chanel Paula. À travers l'émission ça, Pasteur Condé pral ba nous lumière sous dossier groupe religieux ça dans pays d'Haïti yo relé la messe Céleste là. En pile moun konnen groupe messe dame sa yo ki mette wob tout kalte sou yo ka pompe danser et ki a parlé yon série langue tête en bas souvent même yo pas capable d'écrit. Eh ben professeur Condé pral éclairer nous sous messe dame sa yo d'après lui-même a fait à messe Céleste là. C'est un style vaudou qui mélange à quelques bagailles dans la Bible à côté, messieurs, dames, ça yo. Fait semblant, y a servi bon Dieu. Bien souvent, en pile là-dedans, yo, dans le prophète à messieurs, ça yo. En pile, chargé madame, chargé petite par-ci par-là. Mais chaque jour, y a poté prophétie. En pile là-dedans, yo, qu'on saute bambilé dans la femme, dans la même journée, hein. Yo mette wob la sou yo et l'esprit a descend. Et souvent, yo rele l'esprit sa yo capitaine, yo rele yo chérubin, yo rele yo rocher, yo rele yo Gabriel, yo ba yo tout kalte non et l'esprit sa yo genyon lè exactement pour yo descend sou prophète sa yo. En nous suivant ensemble avec moi, professeur Jean Stevenson Condé nan kade mission sa kote l pral pale nou de messieurs dames à messieurs les yo ki origine yo kote yo sorti. Rete connecté Chanel Paula. Mes frères et sœurs, les amis d'Haïti et de l'étranger, ces frères pa nou qui retournent encore une fois le pasteur théologien et professeur polyglotte Jean Stevenson Condé qui vient présenter nous une nouvelle émission sur l'évangile du christianisme céleste. Ça nous relie en Haïti à armée céleste là. Et nous connaît ça fait en pile année moi même plus particulièrement depuis mon petit monde tout petit. Nous lever nous joindre dans pays d'Haïti un phénomène côté qui gagne monde qui proclame tête yo prophète. Nous wè moun sa yo mette des gros robes, des gros rat combien couleur. Y a fait miracle à gauche à droite et nous wè moun sa yo toujours gen des adeptes qui en quelque sorte a suivi yo en grande quantité et nous wè gen des guérisons k'ap fait et nous wè moun sa yo des fois yo utiliser sel, yo utiliser l'huile sainte, yo utiliser fey nan bois, yo utiliser toute qualité bagay, miracle k'ap fait à gauche à droite, moun ap danser. Mais nous capable remarquer que dans danse moun sa yo fan dans l'église yo pas gen différence entre yo même yon rara pas gen différence entre yo même yon vodou parce que nous wè tout gen musique le monde ça veut dire c'est en pile ambiance moun a boire moun a manger yo sous tête moun yo tout côté yo fait yo fait ça relé yon l'église à mes céleste. Donc c'est comme ça nous wè ça fait en Haïti. Donc ça que m'a dit nous qui très important c'est que et l'important chaque ça nous est pour nous aller faire recherche sous lui pour nous poser tête nos questions pour nous dire qui côté bail ça a sorti qui côté origine ni prend qui est-ce qui crée il et mais journée jodi a c'est explication ça moi vienne porter pour nous dans émission ça étant que homme de Dieu haïtien premièrement pasteur de Jésus-Christ donc moi venni pour me venir faire des lumières sous la messe céleste là pour nous capable connaître qui est lié. Qui côté le sorti, côté le prend origine, est-ce que tout bon vrai monde ça yo, c'est serviteur bon Dieu ou bien serviteur Satan? Et mais ces points ça yo, moi pral développer pour nous dans émission ça. Et puis m'a tout profiter passer tout pour me capable faire des lumières sur trois types de doctrines qui gagnent et puis tout m'a capable quelque sorte ba nous quelques explications sur quelques l'église malgré eux même yo pas mais céleste, mais eux même non plus tout, yo pas servir bon Dieu non plus tout. Parce que même jamais si laisse là la lui-même et li pa nan a fait bon Dieu du tout et mais l'église ça eux même yo pas en quelque sorte gain Saint-Esprit bon Dieu dans ouvrir parce que ce sont des religions qui créées qui gain une origine côté que c'est l'homme même qui inspiré par Satan le diable qui met des religions ça sous la terre pour capable tromper des humains pour capable tromper monde et malheureusement gain des monde qui pas li Bible qui manque connaissance théologique et puis qui trouvent yo
nan religion sa yo, kote ki ap paye dim, y ap aplike la loi, y ap fè tout bagay ki kontrèr a la saine doctrine de Jésus-Christ. Donc nous même devoir nous étant que homme de Dieu et pasteur, c'est faire des enseignements, c'est bay lumière pour moun ki nan religion sa yo, ki ap chache la vérité que Jésus-Christ lui-même li gen un plan sou la vie ou pou capable sorti et puis pou ka chercher vraie église de Dieu a qui dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 1, 2 Corinthiens chapitre 1 verset 1 que Jésus-Christ lui-même li te créé le jour de la Pentecôte avec effusion du Saint-Esprit qui gagne le parler en langue qui gagne les 5 dons ministériels de l'Éphésiens chapitre 4 verset 11 en apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Donc nous-mêmes nous capable faire lumière et puis moun OK qui apprendre que parole la touche, qui respecte parole la, qui cherche la vérité tout bon vrai, yo capable délivrer en bas main, OK tout à capable ça. Dans les années 1900 au Bénin. Les map dit Bénin pour monde qui pas comprendre, le Bénin c'était le royaume de Dahomey. Donc royaume de Dahomey ça dans pays Afrique ça, c'est lui même qui tribu OK des Arada. Ça veut dire c'est là origine grand-parent Toussaint Louverture te sorti. Toussaint Louverture que nous étudions dans l'histoire d'Haïti, bien entendu. Donc, dans les années 1900, te gagne un monsieur qui était dans l'église méthodiste. Monsieur Saha, il te gagne 6 madames, il te fait 6 petites avec 6 madames ni yo. Parce que nous connaissons dans le pays d'Afrique, c'est côté yo pratiquer ça relé la polygamie. Mais monsieur ça qui était dans l'église méthodiste ça chaque petite li fait yo pas jamais vivre yo t'est arrivé mourir finalement il vinn faire une petite fille qui lui même vinn vivre et puis il vinn faire un petit garçon OK li rele petit garçon ça Samuel Ochofa ça li fait le 19 mai 1909 dans une ville qui rele Porto Novo au Bénin, ça veut dire en Afrique. Et Samuel Ochofa ça, il pral mouri en 1985 dans pays Lagos, Nigeria, OK, sur la route d'Ibadan dans un accident et il pral héritier papal, il pral gen 14 femmes et il pral gen une trentaine de petites. Donc monsieur ça qui était dans méthodiste là qui papa Samuel Ochofa, il était fait des révélations qu'il pral gon petite et que petite ça vinn un pasteur. C'est comme ça, il vinn faire petite garçon ça qui le Samuel Ochofa. Donc lui-même il vient décider pour mener ti moun nan bokote une série de pasteurs méthodistes qui te sorti dans pays États-Unis, yon façon pour ti garçon capable grandir avec yo et puis pour capable enseigner la Bible, ça veut dire théologie pour vinn pasteur. Mais les pasteurs méthodistes ça yo rive dans pays Bénin, qui ça yo fait? Yo met une série de gros travaux, ça veut dire pour ti moun yo fait. Mais ti petite là qui était au bazar qui est dans 6 7 8 ans comme ça, li pat ka adapté la gros travail sa yo ki pasteur méthodiste yo mete le fait pour construire l'école etc. Et mais ki sa le te fait, li te obligé yo vinn mete le dehors. Là yo mete le dehors dans groupe méthodiste papa vinn retourner vinn reprendre encore. Et mais c'est comme ça ti garçon ça depuis tout petit, li commence à font série de révélations. Et mais c'est comme ça Samuel Ochofa ça un jour, li levé li sorti, li monté sur un pirogue dans un lac qui albay bon côté yon désert, ça veut dire yon fourré yon rak bois. Pendant li sou pirog la sou lac la, yon gros la pli vin ap tombe. Moun kap kondi pirog la gen yon gros vent fè mal ki pran. Et puis c'est comme ça Samuel Ochofa ça pral déposer men sou nèg ça, li pral prier pou li et puis vent fè mal la pral passer. Et puis vent pral pote yo aller, il pral mete yo nan yon rak bois côté ki pa gen personne. Et mais c'est comme ça Samuel Ochofa pral retrouver le tout seul. Nan rak bois parce nèg ki tap kondi pirog la lèl wè jan misye ti petit la mete men sou li geri, il vinn peur, li vinn pase ki gen lesse kek magicien et men la ge kòl nan dlo al sauve la fè route li. Kounye a Ochofa sa li vinn retrouver pou kont li nan forêt a OK avec un pan bête sauvage, li menm li pa gen personne bò kote l. Et ben c'est comme ça Ochofa vinn a prier, pendant li vinn a prier, et ben genyen yon phénomène ki vinn présenté. Gagne yon macaque marron, yon macaque blanche, bien entendu, yon macaque blanche qui vini, qui sorti dans ciel là, qui vini, qui tombé, un macaque tout blanche. En après li wè gon couleuvre marron qui vini qui présenté devant tout, yon gros serpent marron. En après li vini li wè yon gros oiseau à ailes pointues qui vini. Ça veut dire c'est trois animaux li wè qui paraît
pendant la forêt pour contre là après elle vient prier. Et ben bête ça yo parler avec elle. Yo dit le comme ça, ils sont choisis et qu'il pral venir un gros prophète sur toute la terre et que religion qu'il pral mettre sous terre, il pral éparpiller sur tout le monde entier et il pral venir un gros prophète sans égal, pas gen moun kap ka égaler et la vinn grand pile kob et cetera. Alors c'est comme ça, oiseau ça yo parler avec lui et serpent, macaque là et puis oiseau aiguille. Donc là nous capables aller dans Bible dans Galates chapitre 1 verset 8 pour nous voir qui ça Bible a dit et c'est Galates chapitre 1 verset 8 ça. OK. Qui c'est verset clé nous pour aujourd'hui parce que nous connaît avec pasteur Condé. C'est Bible qui n'a prouvé dans tout ça n'a dit. Galates chapitre 1 verset 8. Il dit comme ça, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché qu'il soit anathème. Verset 9, nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu qu'il soit anathème. Le mot anathème signifie madichon poulé. Ça veut dire nous capable comprendre que l'évangile ça que yo bay au chauffard, c'est un évangile qui vient de trois animaux, OK, de trois bêtes, li vini de yon serpent marron, li vini de yon oiseau à aigu et li vini tout OK de yon macaque tout blanche. Ça veut dire les nous parler de trois bêtes ça yo, c'est trois démons, ça veut dire trois esprits diaboliques qui viennent parler au chauffard, qui viennent faire vinn prophète. Et puis c'est comme ça au chauffard vinn l'appeler vinn passer tempête vinn passer au chauffard vinn retourner sous terre. Les au chauffard vinn retourner dans pays au Bénin. Ça veut dire dans village quand il sorti à dans ville quand il sorti à qui relait Porto Novo. Et mais c'est comme ça il vinn gros puissance sous lui. Il commencer à toucher moun, moun a guéri, il commencer à faire miracle et puis c'est comme ça il vinn créer une religion qui relait le christianisme céleste. C'est là au mouvement armé céleste la sorti. Mais comme étant donné que mouvement pas prend naissance en Haïti, c'est en Afrique qui prend naissance avec prophète Oshofa. Ça veut dire que nous-mêmes nous parler le christianisme céleste, mais nous-mêmes nous relé l'armée céleste. Mais dans pays Bénin, dans pays Nigeria, dans pays Côte d'Ivoire, dans toute Afrique la net, et mes religions ça les relé christianisme céleste. Et pas gain aucune différence entre ça nous et nous gagnent en Haïti. Côté quoi nèg ap met gros robe, nèg ap fait tout temps un type de guérison, y a voyé moun al boire ça, y a pas doué boire, y a voyé moun al manger ça, y a pas doué manger, y a bien moun, y a mandé l'argent, y a l'homme non ange, y a fait toute prophétie, y a tourné, et mais c'est même bagaille ça qui vini en Haïti. Parce que Satan lui-même, il pas seulement en Afrique seulement, il dans tout le monde. Et mais pour me continuer sur Samuel Oshofa, Samuel Oshofa ça, dans religion ça. Li vinn gran pile adepte d'elle, li vinn gran pile disciple, li vinn gran pile prophète d'elle en Afrique. Yo utilisé baleine, yo pri ak baleine. Yo gen gros croix, gros chaîne nan kou yo. Yo en quelque sorte gen plusieurs madame, même Jean Wef prophète Ami Céleste yo fait en Haïti. Yo capable gen plusieurs madame et puis a fait miracle là, yo pas gen problème parce que c'est affaire démon k'ap régler. Pas gen affaire sanctification, affaire Jésus-Christ, c'est affaire démon k'ap régler. Laissez démon k sou moun, li pas besoin vivre dans sanctification pour le faire miracle. C'est l'on observe avec Jésus-Christ ou besoin d'une sanctification. Mais depuis ça, fait Christian et Céleste, Ami Céleste, ou mettre couché femme. J'en veux ça que faut prophète Ami Céleste, là, d'où qu'on s'en même. Pas de problème, des bon femmes ou vini. Parmi nous qui pour sauver, et pour elle toujours faire miracle, paquet mon ap suivi, y a bay l'argent, y a mettant bien ça fait tout bagay. Et mais c'est là, li sorti avec Samuel Oshofa. Et mais Samuel Oshofa, ça, li devine un gros prophète dans toute Afrique. Il devine gen 14 madame. Il te gagné plus de une trentaine de petites. Et mais Samuel Oshofa ça, li pral vinn habiter dans pays Nigeria. Pendant l'habiter dans pays Nigeria, li pral sorti dans ville Lagos bien entendu parce que c'est dans ville Lagos, li te vinn habiter qui c'est deuxième grand ville dans pays Nigeria. Et mais pendant li a sorti sous machine ni, li pral aller dans l'autre ville, et ben li font accident sur la route d'Ibadan. Ça veut dire route la rele route d'Ibadan côté le accident, li mouri en 1985. Eh bien mes chers amis, c'est depuis le ça l'église christianiste céleste en Haïti nous rele l'armée céleste là, li gaye sur toute terre. Ça veut dire que dans pays d'Haïti nous wè tout ambiance k'ap fèt. M'ap gade moi-même dans vidéo a et pa gen mwen semaine passée a.
m'a regardé en Haïti un monsieur au cap Jean Kil pour un monsieur il mettait le coucher et puis après Jean l'a brouillé l'a brassé Saint-Il l'a bagaille mais depuis Jean moun ça a dansé ou est son moun qui gagne un démon sous lui et puis m'a regardé un poteau et pour dans poteau ou un paquet moun cap et faire un poteau ça c'est bagaille nous dans police dans péristyle ougan donc qui ça lié. Donc le christianisme céleste qui prend naissance en Afrique dans pays Bénin avec le prophète Samuel Bileu Oshofa, de son vrai nom c'est Samuel Bileu Oshofa. OK, Samuel Bileu Joseph Oshofa, bien entendu. Donc religion ça, c'est un mélange de vaudou et de bible. Ça veut dire c'est vaudou qui mélange avec la bible qui fait religion ça. Ça veut dire dans pays Afrique, ou a pour une série de signes kabbalistiques qui n'a temple christianisme céleste là. Ou après par exemple, ou ka wè l'œil qui voit tout. Ça veut dire que l'œil providentiel ou l'œil du diable. Ou ka wè par exemple le pentagramme, étoile cinq branches. Ou ka wè tout signe qui n'a franc-maçon qui n'a la caillou gan li là tout. Mais pour qui ça fait dans religion ça ame céleste là ou un paquet de monde qui suivent li. C'est tout simplement parce que moun yo besoin miracle. Yo malade, yo nan péché, yo nan tout bagay, les maladies sont tombées sur yo, ça t'a mangé yo. Donc y a cherché solution parce que moun sa yo c'est pas moun yo qui li Bible, qui comprend rien de l'évangile, qui comprend rien de l'église. Donc les solutions a cherché pour maladie yo. C'est même j'en tant comme ou te gen droit malade ou aller là kay ougan. Est-ce que vous comprennent? Moi étant que pasteur, moi pas j'aime dit personne pour y aller là kay ougan, pour y aller dans messe, laisse pour y aller dans fausse l'église. Parce que Jésus-Christ ban mandat pour me prêcher l'évangile là pour nan moun sauver premièrement. Mais nous même humains les nous avons problème nous est solution problème là nous pas besoin qu'on ait qui est capable résoudre problème là si sont ougan si sont franc-maçon c'est problème nous besoin résoudre c'est ça que fait malheureusement il y a un pile monde qui tombe dans piège faux prophète fausse religion etc. Mais ça que moi veux dire comme conseil changez bien laissez monde ça qui résoudre problème ou pas résoudre problème à 100% puis devant ou pas retourner gon l'autre maladie encore une façon pour qu'a toujours marcher OK devant porte tout temps pour qu'a toujours dans péristyle et l'église ami céleste parce que me parler l'église moi même son péristyle il pas gain différence à Bokoa donc pour qu'a toujours marcher là ça veut dire l'on une solution là c'est pour une solution à 100% vrai donc nous ouais dans pays d'Haïti gens qui m'a expliquer là gain en pile prophète gain qui fin faire beur dans bagaille ça yo fait redefait yo même yo gain droit ba moun madichon yo gain droit dou yo ka tuer moun yo ka fait toute bagaille yo fait prière yo vle. Parce que nous vivons dans un pays côté qui manque de contrôle, ça veut dire que tout le monde fait ça et vle, et nous vivons dans un pays côté qui moun yo pas fait recherche, moun yo plus campé sous un, là on phénomène a passé, on pas chercher qu'on est qui côté exactement et mouvement ça a sorti parce que tout le monde a couru des miracles, tout le monde a couru derrière en quelque sorte et une solution à problème yo. C'est ça que fait dans Galates chapitre 1 verset 8, il dit si un ange du ciel annoncerait un autre évangile différent que celui que je vous ai prêché qu'il soit anathème. Ça c'est apôtre Paul qui a parlé dans Galates. Pour qui ça apôtre Paul te dit ça? C'est parce que dans les églises de la Galatie, Jean qui m'était dit nous déjà dans vidéo passée, t'es gagné en pile faux prophète, en pile faux docteur, mon qui dit c'est pasteur qui a bien enseigné mon yo. On comprend yon l'autre l'évangile différent de l'évangile que apôtre Paul t'a enseigné yo. Donc apôtre Paul dit qu'on ça saisi pour le très rapide. Pour moun yo get amblié ça l'enseigner ou parce que depuis longtemps l'homme n'a traité l'homme li pa vle tan de vérité donc yo aller dans bagay et observer sabbat dans bagay loi etc. C'est ça que faut ouais dans livre Galates la li Galates chapitre 2 verset 16 apôtre Paul dit pas gagne un chair qui capable justifier par les œuvres de la loi. Est-ce que vous comprenez? Alors c'est même mouvement adventiste là sous même sous l'autre forme parce que là ça l'église adventiste pas profondé parce que l'église adventiste c'est pour l'église qui dans bible là. Mais c'est même courant moun ka pense moun la loi Moïse sabbat pas manger ceci pas manger cela et mais depuis longtemps même Jean moi même m'a combattre bagay ça apôtre Paul il était qu'on combattre li kounya là apôtre Paul dit comme ça même si un ange sorti dans ciel là li vin annonce un autre évangile différent de l'évangile que moi même moi prêcho là et mais li anathème. Ça veut dire que qui ça qui vient passer OK qui ça qui vient passer et apôtre Paul dit yon ange dans ciel là mais les dit yon ange dans ciel depuis moun tande mot ciel yo comprenne que c'est ange qui sorti dans bon côté bon Dieu et ça fait dans l'église du Christ là moun konn corriger en pile pasteur du Christ dans verset ça parce qu'il a interprété verset mal ba moun et puis y a de l'église qui pi bon l'église pendant ce temps yo retiré prophète dans l'église en paquet de bagage que Jésus-Christ mettait.
Ça veut dire, là où on du ciel, ça veut dire qu'il y a trois ciels. Il y a le ciel atmosphérique, c'est côté n'a respiré. Gen les lieux célestes, c'est côté démon oui, a wap venu dans Ephésiens 6 12. Li parle de les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc c'est des ciels lieux célestes ça que OK apôtre pour la parler dans verset ça. Et soit aller dans livre Corinthiens, gon verset là dou kon ça pas OK pour même Satan qui a déguisé l'ange de lumière. Ça veut dire elle parle des ciels là, il parle des lieux célestes côté gon série des esprits méchants, des esprits coquins. Des esprits qui ont cassé pour être monde, des esprits qui ont fait transaction, et mais c'est esprit ça qui te descend, qui vient jouer le prophète Samuel au chauffard, et c'est esprit ça qui vient sous forme yon macaque blanche, yon oiseau zèle pointu, et puis yon serpent marron. Et mais c'est esprit ça qui baille révélation, l'évangile à mes célestes là. Et apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit de Dieu te révélé ça, il dit moun yo, non. Dans les églises de la galaxie, quel que soit un ange sorti dans le ciel, là, les vins boyons, l'évangile qui est différent de l'évangile qui est dans la Bible, que l'évangile apôtre Paul, l'apôtre Pierre prêché, et mais l'évangile ça est anathème, ça veut dire madichon pour lui. Et mais jodi, nous voyons que, bon paquet de monde qui n'a pas aucune connaissance biblique, qui n'a pas passé dans aucune école théologique, ni pas aucun appel tout, et mais c'est monde ça yo qui interprète la Bible mal, qui dans l'Ancien Testament, qui dans tout pour livre prophétique, qui dit nous comme ça, Haïti, c'est Israël, qui nous pral délivrer, nous pral limier nation, nous pral tout bagay, moun sa yo, mais qui s'est passé yo même, c'est même mauvais esprit sa yo, ok, qui entre dans tête moun sa yo en Haïti, qui fait abban nou tout vie prophétie sa yo, yo même ouè son mélange vaudou, yon mélange et Bible, yon lè ou parle de diable, on lè ou parle de bon Dieu, ou pas kakone ki koto ou kampe, yo pa go ken fort ban biblique, on lè ou parle de culture vodou haïtien, et mais c'est même esprit christianisme céleste ça parce que changer bien dou l'église christianisme céleste ça c'est un mélange vodou et c'est un mélange bible, c'est lui même tout qui vini ou tande relo armée céleste en Haïti. Donc tout compte fait ou te mettre chercher dans n'importe l'église armée céleste en Haïti ou pa gen do ajam moi côté yon pasteur armée céleste ou bien un prophète armée céleste campé et puis il prend Bible pour la font enseignement pour la parler monde de qui gens pour quitter péché pour repentir pour convertir pour venir Jésus-Christ pour accepter Jésus et puis pour le plonger monde dans les eaux du baptême pour l'aborder des enseignements sous doctrine pour le parler des doctrines des démons pour le parler des doctrines des hommes pour le parler des doctrines de Jésus-Christ pour connaître qui doctrine qui vraie doctrine là qui l'église qui vraie l'église là ou pas rien doit moi ça dans vie celle ça va pour dans l'église à mes célestes. Bon, pareil, l'église en synagogue de Satan, un temple de Satan, ou après c'est tambour qui a battu, c'est cymbale qui a frappé, c'est guérison qui a fait, c'est sous moun qui a marché, c'est moun qui a baillé poteau, c'est toute activité ça qui a fait. Parce que c'est comme ça qu'elle te prend naissance en Afrique, dans le pays Bénin, avec le prophète Samuel Oshofa. Ça veut dire que nous-mêmes, puisque nous-mêmes n'avons cherché solution, depuis tant cymbale bat en côté, OK c'est cymbal qui bat ton côté puis moun nan dit c'est bon Dieu et mais tout moun a courir derrière miracle et aller au dossier bon Dieu. C'est ça qui fait journée jodi a nou vinn tomber dans tout problème ça dans pays d'Haïti, gen des moun qui États-Unis qui en quelque sorte a tab bien vivre ak Mario et mais yo kite Mario petit yo vinn non série de gagotte dans pays d'Haïti et mais kounya fausse prophète avec mauvais esprit séparé de Mario, séparé de madame yo. Petit ton côté tout monde a passé misère, tout monde a souffri. Mago l'argent a sorti dans pays, a investi dans un paquet bagaille qui pas aucun sens. Pendant ce temps, il y a des hommes de Dieu, tout bon vrai qui t'a capable faire l'église, qui t'a capable évangéliser pour tout monde tendez. Et ben les hommes pas pral investi dans vrai religion, dans vrai l'évangile là. Parce que les hommes, c'est des gros brioyer, des gros apparences. Et ben c'est ça que fait dans chercher gros cymbal frappé gros bout robe sou moun gros sept nan men moun mais qui ça n'a contré avec le monstre de la mer qui c'est le Léviathan n'a contré avec face à face n'a contré avec le démon Macarena qui c'est même la Sainte Vierge Maria face à face n'a contré avec tout mauvais esprit Belzébout tout mauvais esprit Moloch tout mauvais esprit de fausse prophétie OK n'a contré avec tout. Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire que c'est là toute fausse religion a sorti, religion ça a sorti. Et ceci m'a dit nous clair, c'est pas seulement amis célestes là qui sont fausses religions et qui inspiré par Satan le diable. Religion catholique, son religion qui sorti à Rome au Vatican. OK. C'est bon religion qui gagne en rien avec pour loin avec le Jésus-Christ de Nazareth. Pour qui ça? Lui-même lui ajouté saint.
li nan idolâtrie. Chaque saint ça yo son démon li. Les autres Saint Michel Archange dans l'église catholique, Saint Michel Archange là c'est pas le vrai ange. Michel qui responsable l'armée des anges dans royaume bon Dieu avri. Le Saint Michel Archange de l'église catholique, c'est ça nous relé en Haïti dans culture vaudou mettre Agaou le fan. Là on parle de Saint Benoît par exemple. Saint Benoît yo dou là c'est pas Saint, c'est bon Saint vrai, c'est pas Saint Benoît avec monsieur Baron samedi. Esprit le cimetière qui a boué sang. Alléluia. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Que le sang de Jésus couvre peuple haïtien, que les yeux peuple haïtien ouvri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Léo Palo, si nous t'a quitté catholique n'entrer dans l'église adventiste. L'église adventiste là tout. Même Jean Papa Samuel Ochofa dans pays Bénin son méthodiste lité. Premier monde pasteur qui a commencé à prêcher, à faire doctrine l'église adventiste, c'est William Muller. William Muller, c'est dans l'église méthodiste, tout le pacte théologien. C'est Satan qui est entré dans la tête Muller qui fait qu'il dit, il fait révélation, il joue une date que Jésus-Christ a tourné. Et puis il vient mélanger avec Ellen White. Il y a un monde qui a frappé dans la tête dans l'accident. Alors Ellen White, la tête n'est pas trop bien. Alors qu'il vient faire révélation, il vient mettre l'église adventiste sous la tête. Fausse doctrine. Là, nous prenons. L'église des morts, l'église des saints du dernier jour. Et mais un petit petit 14 ans que Joseph Smith aux États-Unis, un américain. Lui même il vient commencer à faire pile rêve, pile révélation. Il vient rêver qu'il y a un livre que moun qui te qu'on a vivre sous terre Amérique qui c'est les Taïno. Il te qu'on utiliser livre ça. Et mais là les côtés avril il fait révélation. Il joint le livre là vrai. Et mais c'est grand esprit Atlante et Taïno ça yo qui t'a parlé avec. Il vient faire religion mormon qui gagne deux livres. Et dans chaque temple mormon, soit elle visite un temple mormon, ou après elle gagne une photo, un ange avec un gozel qui est l'archange Moroni. Alors c'est l'archange Moroni ça, ok, qui te baille et Joseph Smith révélation ça. Ça veut dire, dans le moment où il prie l'archange Moroni, et puis il dit Jésus. Toute religion qui gagne un autre nom, qui ajoute qui par Jésus-Christ de Nazareth, n'est pas vrai l'église là. L'entre dans l'église ou entre en côté, même les appelons, mais non, mon Dieu, faut suivre pour est-ce que c'est celle Jésus-Christ qui a cité. Parce que la vraie religion, le christocentrique. Il y a des gens qui font commentaire, qui posent une question, pasteur, ou son pasteur qui est très éduqué, mais nous parlons, mais l'op dit faux religion. Et mais moi-même, je ne parle pas là pour me faire personne mon plaisir, même là pour me prêcher l'évangile pour me voir la vérité. Ya. Si vous voulez accepter la vérité à Jean Lien, mais vous accepter Jésus, vous lire Bibou, vous baptiser, vous quitter le péché pour nous sauver. Ça, c'est travail, moi, ça. Moi, là, pour me dire, qui chemin qui propre, qui chemin qui droite, qui chemin qui amène nous dans le salut, sans que nous ne soyons pas polémique avec personne. Donc, c'est ça qui travaille, moi. Parce que ça, pour nous connaître, pour nous faire intelligence, nous, c'est que tout ça, c'est vrai, c'est faux. Si c'est une vraie religion, c'est une fausse religion. OK. Si c'est un faux prophète, c'est un vrai prophète. Si gen faux pasteur, gen vrai pasteur. OK, si gen faux évangéliste, gen vrai évangéliste. Faut que nous pas nous même pour nous mettre tête nous en mesure pour nous connaître tout côté au dit bon Dieu, ça veut dire moun sa son homme de Dieu. Ça veut dire tout monde qui parle de bon Dieu, ça veut dire que son homme de Dieu. Mais c'est dans comme ça, n'a tombé dans faux pasteur, n'a tombé dans faux, n'a bien gros problème et nous quand même arriver mourir. Parce que depuis ce diable qui agit dans moun, pas grand rien qu'il pas qu'à faire, surtout les lois intérêts menacés. Ça veut dire qui ça au monde qu'a fait pour entrer dans bon l'église là, parce que selon ça m'explique là, c'est sûr que n'a bien en pile confusion. Donc c'est pour mettre genou à terre premièrement pour prier, pour dire Jésus-Christ de Nazareth, moi voulais accepter Jésus, moi voulais entrer dans bon l'église, moi voulais pour mon bon pasteur, un bon leader qui vous montre une parole là. Et mais Jésus-Christ lui-même l'a orienté, il qu'a faut venir rencontrer avec un frère qui est capable mener dans l'église par la côté de bon pasteur et puis qu'a baptisé au côté qu'a recevoir bon enseignement biblique. OK, bien entendu, c'est pour l'église qui gagne une femme sous tête li, parce que depuis son l'église où elle gagne femme qui pasteur, li pas l'église bon Dieu, parce que bon Dieu pas mettre aucune femme pasteur. Donc et maintenant comme ça Jésus-Christ a orienté ou, et puis comme ça va quoi ou dans enseignement parole là, dans louange, dans adoration. Et puis Jésus-Christ lui-même, il va faire ou t'avoir, il va bénir, il va guérir ou sous malade, il va résoudre tout problème. Parce que pas grand-rien, Jésus-Christ de Nazareth pas qu'a fait. C'est émission ça, étude ça, enseignement ça qui me devait participer avec nous, les amis d'Haïti et de l'étranger. OK, prends précaution, remettre la vie nous à Jésus-Christ, pas voir comme ba moun nous pas connait comme ça, OK? Et puis, rester dans la consécration, dans la lecture de la parole de Dieu, parce que moi, en pile, moun, yo pa vle li la Bible, yo pa vle prier, parce que c'est
zan yo remè sou internet tout la sen jounen, ou comprenne nan tripotay nan komiraj. Donc komiraj pa piti lou anyen, c'est Jésus-Christ pour embrasser et puis c'est connaissance pour chercher. Parce que dans Osée 4 verset 6, il dit mon peuple est détruit par faute de connaissance. Et tout bagay sa yo m'ap di nou la, c'est apprendre m'apprendre yo. Et nous gen droit, nous capable faire recherche sur Samuel au chofa. Et puis nous même n'ap wè toute connaissance yo paraît à clair. N'ap wè que moi pa yon moun ki imposteur k'ap vinn di nou bagay ki pa ça, mais tout ça m'di nou, moi son théologien qui étudie et qui connaît toute fausse doctrine yo, toute fausse religion ou toute fausse secte yo. Et depuis son moun ki paraît sur réseaux sociaux là, ou ek vinn di nou bagay depuis ça le dit, li pa bon m'gen tan wèl. Depuis il prend Bible, l'ouvert Bible, l'interprète un verset biblique dans mauvais sens, m'gen tan wèl au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas Dieu qui m'a fait pour tête moi. C'est pas di m'a dit m'pi bon pas son l'autre moun parce que m'son serviteur de Dieu, mais Jésus-Christ fait m'grâce. Li fait m'grâce pour me capable venir enseigner parole là, non pour me kembel pour compte moi, mais pour me partager avec ou même madame ou petit tout qui veut délivrer en bas pouvoir Satan, qui veut joindre Jésus-Christ, qui pas connaît dans quelle église pour aller avec toute fausse église ça. Jésus-Christ ba m'droit, li ba m'autorité pour m'enseigner, pour me prier pour et pour me donner des conseils spirituels qui capable nourrir dans moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'ouvre les rete en contact avec moi, mon numéro c'est le 829 277 38 57. Ou va contacter pour un enseignement biblique, conseil spirituel, etc. Que bon Dieu bénisse nous, que grâce bon Dieu couvre nous. Shalom, peuple haïtien, 2023 fois plus belle. Parce que nous allons entrer dans 2024 là, déjà dit 2024 fois plus belle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Toute explication, enseignement, ça y'a que m'baye là. Est-ce que, en quelque sorte, et Bible li pa dit ça? Est-ce que yo pa écrit dans Bible? Oui, tout écrit dans Bible. Faux prophètes, fausse religion, moun kap fè un petit sec sous côté, qui a en quelque sorte pralé dans zone, dans région, et puis le réunion pa kwèt moun dèl. Et puis kounya la moun sa, au lieu c'est l'esprit bon Dieu. C'est mauvais esprit qui marche avec elle. Et puis là, est-ce que ça n'a pas écrit dans la Bible? Parce que nous connaissons, pasteur par nous, frère par nous, cette Bible la partage avec nous pour nous faire samedi, pour nous comprendre à la lumière de la parole. En nous gardant dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 1er, pour nous qui ça, parole bon Dieu a dit. Il dit, mais l'esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Vous entendez? Quelques-uns abandonnent la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ça veut dire, au lieu pour arrêter dans vrai enseignement, dans vraie parole, bon Dieu, qui dans la Bible, et bien, il y a quitté ces esprits séducteurs, mauvais esprits, qui peuvent aller, et bien, qui ça va le faire? Il va l'attacher quoi avec des doctrines de démons, des enseignements démoniaques. C'est comme l'on prend Mormon, Adventiste, Témoin de Jéhovah, Christianisme Céleste. C'est là mon yo pralé. Parce que l'esprit ça yo, yo montre yo qui a fait miracle pour yo, y a guéri malade pour yo. Ou comprenne, c'est dans Jean de bagay ça yo pralé. Ça veut dire tout ça nous est passé sous terre là, il était déjà écrit déjà. Parce que apôtre Paul a écrit là des milliers des années avant nous arriver continuer là. Pas gagne un apôtre ça yo, une église ça yo qui l'a toujours sous la terre. Et vous voyez, même ça qui est écrit dans la Bible, c'est ce qui a passé là, dans le temps qui a passé là. C'est ça qui fait moi-même, phénomène pour faux prophète là, pas étonné. Parce que moi, étant que homme de Dieu théologien, moi, lis la Bible, moi, connais tout le bagage, ça, c'est pas, yo pas fait sous terre. Mais ça, pour nous faire, nous-mêmes, nous supposons être vigilants, pour nous rester sous la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, dans l'enseignement de la parole, pour nous capables, en quelque sorte, connaître qui côté nous doit mettre pied nous, et qui côté nous pas doit mettre pied nous. Si nous allons dans 1 Timothée chapitre 4, verset 2 à continuer, il dit par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Vous comprenez parce que faux docteurs, ça y est, qui a enseigné, faux pasteurs, ça y est, faux moun, ça y est, faux prophètes, ça y est, ce sont des moun qui hypocrites, ok? Yo pote marque flétrissure dans leur propre conscience, vous avez des consciences, vous pas clair, ce sont pas quelques moun qui sans conscience, ok? Et mais qui ça y est, fait, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créé pour qu'il soit pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Il a dit nous comme ça, pas besoin de marier, ou mettre dans des boches. Prends mari moun bay l'autre moun. Prends madame moun bay l'autre moun. Et puis il a dit comme ça, faut abstenir nous dans série des aliments. Ça veut dire Abdou pas manger viande cochon, pas manger cribiche, même dans l'église adventiste là. OK. Pendant ce temps,
Dieu a créé pour qu'il soit pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Et mais qui ça apôtre Paul dit, bon Dieu créé tout aliment pour moun pris avec action de grâce, avec moun kap servi bon Dieu fidèle et moun ki konn la vérité biblique là. Verset 4, car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Pas grand rien bon Dieu créé ou ka rejeté ou pas manger, tout simplement on prend la action de grâce. Ah, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Parce que tout soit mangé, manger, on suppose prier sur lui. Même l'elle te vient de cochon, même l'elle te cribiche. Ou n'y a second maladie. Ou n'y a là, ou pas qu'à manger viande cochon, ou pas qu'à manger l'huile, ou n'y a pas rien même son l'autre bagaille. Mais à faire l'église adventiste, à vindou comme ça, pas manger viande cochon, pas manger ceci, sous manger au péché. Ou comprenne ça, m'doula, ça c'est cause écrimol. C'est le mensonge du diable. Parce que l'église adventiste, ça sont l'église du diable qui font des sous-fausses prophéties. Et c'est ça qu'il faut, ouais, tout faux prophète, fille tant que garçon, il n'est pas sorti de l'autre côté. Il est sorti dans l'église adventiste, ou bien il est sorti dans le Mormon, ou bien il est sorti dans le corps de Christ, ou bien il est sorti dans l'église du Christ, ou bien il est sorti dans le gargote ça, ou bien dans l'armée céleste dans le gargote ça. Parce que les gens ne sont pas jamais décampés sur la vérité biblique, c'est les gens qui campent sur le mensonge. Et même là où on entre dans l'église, ou est l'église a bon ti menti tout petit ti grand menti tout petit le baoua ou comprendre ça m'dou là retire corps dans l'église ça parce que vrai l'église bon Dieu a enseigné la bible tant que tel pas gain à faire menti la donne. OK, et on va le voir dans verset 6 là apôtre Paul pral dit Timothée, en exposant ces choses aux frères tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Apôtre Paul a dit Timothée comme ça, si ou enseigner moun yo bagay sa yo, ou di yo pa gen problème, yo ka manje tout bagay, yo pren l'action de grâce. OK, et ben wap un bon pasteur, wap un bon ministre de Jésus-Christ. OK, et wap un ministre de la saine doctrine là, qui c'est vraie doctrine de Jésus-Christ là, qui c'est doctrine vraie l'église là. Parce qu'il y a trois types de doctrine. Gen la saine doctrine ou la doctrine de Jésus-Christ, gen la doctrine des hommes, gen la doctrine des démons. Donc à mes célestes nous qui les chrétiens célestes qui créent au Bénin avec Samuel Oshofa, donc il pas la saine doctrine, c'est doctrine des démons. OK, toute doctrine koto wè nèg ap mete gros bag, nèg gen gros kòn y ap vide sou l'huile sou yo, yo gen gros rad sou yo, yo gen un paquet bagay ki pa nan Bible, apôtre yo pa konserve avèl, et men doctrine ça c'est doctrine des démons que yo. Et nan 2 Jean chapitre 9 li di quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Verset ça a moins dit nous là, Satan pas vle quitter ou connel. Satan pas vle quitter petit tout connel, pas vle quitter madame ou connel, li pas vle quitter famille ou connel. Qui verset que li me répéter pour encore. 2 Jean chapitre 9, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Jésus-Christ n'a point Dieu. Dans la doctrine de Jésus-Christ, ça va faire nèg ap gè ou asel, nèg pa chercher faire pour bien, nèg avec gros bag nan douet, yo pa rien baï comme ça. Dans la doctrine de Jésus-Christ là, c'est pour négacier le pasteur. Il y a contact avec Jésus-Christ, c'est pour le prier, c'est pour le gêner. Jésus-Christ a bal onction. Léon moun malade vini la prier pour le toucher et puis moun na va guéri. Et comment moun na guéri tout? Faut moun ki vini en faut li croire dans Jésus. Parce que pour Jésus guéri, faut croire dans Jésus. Donc c'est pas prophète là qui guéri, mais c'est croyance ou dans Jésus-Christ. Et puis faut volonté Jésus-Christ fait. C'est si Jésus-Christ veut guéri ou la guéri. Et prophète ça qui guéri là, il pas supposé prendre yon centime dans main, il pas supposé prendre yon mante dans main. C'est si ou même ou vle frange sa avèl, et tant que homme de Dieu ou fait la avèl. Parce que Jésus-Christ dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ça veut dire Jésus-Christ pour le bon onction, pour le bon grâce, c'est gratis li ba ou. Ça veut dire pas gen doit mettre ba moun prix pour faire guérison. De pour son moun k'ap fonctionner comme ça, les bon hommes de Dieu sont tradis praticiens, ils sont ougan, ils sont faux prophètes. Que bon Dieu bénisse nous peuple haïtien, que grâce bon Dieu couvre nous.